Bonjour, je m'appelle François Carré, je suis cardiologue et médecin du sport au CHRU de Rennes. Pendant cet échange, c'est un hospitalier qui va parler aux autres hospitaliers et je vais vous parler des bienfaits de l'activité physique pour votre santé. Notre société moderne est confrontée à deux défis. Pas assez d'activité physique, trop de sédentarité. La sédentarité, je vous le rappelle, c'est rester assis trop longtemps dans la journée. Il faut donc diminuer le temps de sédentarité, augmenter l'activité physique. Eh bien, il faut garder en tête que quel que soit le métier qu'on fait à l'hôpital, nous devons toujours faire de l'activité physique et puis diminuer mon temps de sédentarité, soit au travail, en essayant de remplacer du temps assis par de l'activité physique, soit chez moi, si je suis trop assis. Si on arrive à répondre à ce double défi, on va avoir des bénéfices très importants puisqu'on va diminuer notre risque de développer une maladie chronique d'environ 30%. Pour encourager la pratique d'activité physique et la diminution de la sédentarité chez les hospitaliers, il faut d'abord se rappeler d'une chose. La santé, ce n'est pas simplement ne pas être malade. C'est un bien-être physique, mental et social. Ce caractère social est important, malgré un emploi du temps contraignant. On peut, après un déjeuner, aller marcher avec des collègues ou bien même faire de l'activité physique en dehors du travail avec ses collègues. Toutes ces actions vont permettre d'abord de lever des freins et aussi de renforcer la cohésion d'une équipe. Donc, ce serait tout bénéfice.